Hello everybody! Alors aujourd'hui, on va faire des mini quiches carottes cumin. Alors pour ça, il nous faut 25 cl de lait, 3 œufs, une cuillère à café de cumin en poudre, des graines de pavot pour la déco, 200 g de carottes râpées, une pâte brisée et bien sûr un moule à tartelette. On va commencer par faire préchauffer le four à 180 degrés. Ensuite, on vient beurrer le plat avec un peu de beurre. Vous pouvez aussi prendre des petits moules à tartelettes si vous n'avez pas un plat comme celui-ci. Maintenant, on va dérouler la pâte et découper des disques d'environ 6-7 cm à l'aide d'un emporte-pièce ou d'un verre. Hop. Ensuite, on vient déposer les disques sur le moule et on vient piquer le fond de la pâte avec une fourchette. Maintenant, on va mélanger les œufs et le lait ensemble dans un saladier. Ensuite, on ajoute la poudre de cumin et on assaisonne avec un peu de sel et de poivre. Et pour finir notre mélange, on vient ajouter tout en remuant les carottes petit à petit. Il ne nous reste plus qu'à garnir nos fonds de quiche avec notre préparation. Alors on veille à mettre autant de carottes que de liquide. Plus qu'à enfourner pour 30 à 40 minutes selon votre four. À la sortie du four, on peut attendre un petit moment qu'elles refroidissent et ensuite on va les démouler et ajouter un peu de graines de pavot dessus. Et voilà de magnifiques quiches aux couleurs d'automne. Alors servez-les tièdes pour un succès assuré. Bon appétit !